C'est Agathe, mon amie d'enfance. Vous vous souvenez d'elle? Elle était venue avec sa fille, Lily. C'est à Romarin qu'il faut demander ça. Il s'était disputé avec Lily pendant toutes les vacances. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? J'aimais beaucoup Lily. Tu parles? Vous étiez tout le temps en train de vous chamailler. Alors, papa, quand est-ce qu'elle arrive, ton amie d'enfance? Ça fait 3 jours qu'on l'attend. Je suis aussi impatient que toi, tu sais. Dans sa lettre, elle dit qu'elle va bientôt arriver, mais elle ne précise pas quand. Ah, à mon avis, elle est venue en train et elle t'attend à la gare. Oh non, ça m'étonnerait. Pourquoi? Elle n'aime pas le train? Lorsque nous étions à l'école des petits bricolos, Agathe adorait fabriquer des engins abracadabrants. Un jour, elle t'avait ramené à la maison en pétrolette à vapeur. Mais bon, c'était il y a longtemps, tu sais. Elle a peut-être changé. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce que c'est? J'ai peur! Ça fait 9040. Et non, elle n'a pas changé. Un monstre! C'est un monstre, papa! Il va nous manger tout cru! Non, papa, fais attention! Ma chère amie, tu m'épateras toujours. Difficile à conduire, mais très amusant à construire. Quel bonheur de te revoir après toutes ces années. Le voyage n'a pas été trop long? Oh non, car je n'étais pas seule. Mon bricolo préféré, je te présente ma fille, Lily. Je te présente Mistouflet et Agaric. Elle, c'est Pirouette. Et lui, c'est Romarin. Il est très malin, tu sais. Il est comme ta maman. Il invente plein de trucs super. Et je n'ai même pas eu besoin d'école. J'apprends tout seul. Je suis assez douée, c'est vrai. Ce coupe-tout, par exemple, c'est moi qui l'ai mis au point. Fini de se fatiguer le bras pour couper des gros pains. Il suffit d'appuyer sur cette poignée et hop, le coupe-tout s'actionne tout seul. Génial, non? Mais de quoi parles-tu? Comment t'as découvert ça? Onésime, enfin, tu n'as pas oublié ce secret que nous voulions percer quand nous étions à l'école? Ce n'est pas possible. Tu veux parler de la recette légumes magiques? Celle qui transformerait la terre glaise en légumes? C'est notre rêve d'enfance. Alors nous devons le réaliser à deux. Apparemment, quelqu'un veut s'approprier cette recette. Je me sens épiée. On a même fouillé chez moi en mon absence. Mais vu qu'elle ne me quitte jamais, le voleur est reparti bredouille. Chers collègues, je suis prêt à démarrer sur le champ. J'ai commencé mon sous-marin. D'ailleurs, j'ai eu un prix pour ça. Mais tu sais, je ne suis pas du style à courir après les récompenses. Moi, ce que j'aime, c'est... Ça vous dirait une partie de lapin perché? Ouais, ouais, ouais. Moi, je fais équipe avec Lily. Mistouflet, tu te mets avec moi? Au fait, t'aurais dû ajouter un petit moteur à entraînement automatique sur ton couteau. Il aurait été encore plus facile à utiliser. Attrapez. On avait 6-0 pour nous. Oh là là, j'allais juste me percher. Désolée, Lily. T'aurais pas dû te mettre avec nous. On va te faire perdre. Si vous voulez vraiment gagner, alors je peux peut-être faire quelque chose. Je l'ai. Oh. Ouais, vas-y. C'est une vraie grenouille, cette fille. T'y es, perché. On a gagné. Mais comment t'as fait ça? T'es une magicienne ou quoi? Mais non, bien sûr. J'ai mis des petites bouillottes sous mes pieds. Elles tiennent grâce à un système de ventouses. J'adore inventer. Ah bon? Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais aussi une inventrice? Parce que tu me l'as pas demandé. Ça vous dirait une partie de cache-cache? Ouais! Ouais.
mal mes lunettes, hein? Fais voir. Des lunettes qui voient tout. Oh. Et on voit loin avec. Super loin. Bonne nuit les enfants. Va te coucher ma chérie. Onésime et moi, nous avons encore beaucoup de travail. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit les amis. Si vous voulez, demain, je pourrais vous faire faire un tour de criquet. Oh oui, super. Fais de beaux rêves, Lily. Elle est vraiment adorable, cette fille. Et super intelligente, en plus. C'est fou, tout ce qu'elle a inventé. Intelligente? Faut pas non plus exagérer. Fabriquer des babioles à ressort n'est pas un signe d'intelligence, hein. En plus, faut dire la vérité, elle triche. Quoi? Eh, c'est pas gentil de dire ça. C'est la vérité. Elle a gagné à tous les jeux grâce à ses gadgets. En plus, elle ne parle que d'elle. Et moi, j'ai fabriqué ci. Et moi, je sais faire ça. Et moi, je... Et moi, j'ai oublié de prendre un verre d'eau. Tu sais, Romarin, c'est normal que tu sois jaloux. Mais un jour, tu verras, toi aussi, tu arriveras à fabriquer autre chose qu'un couteau mécanique. Je pourrais te donner quelques petits conseils, si tu veux. C'est gentil, mais je termine les plans d'un planeur à hélices. Des hélices. Tu sais ce que c'est ou il faut que je te fasse un dessin? Tu parles trop, Romarin. Tu ferais mieux d'utiliser tout ce temps pour inventer. Et en plus, ça nous ferait des vacances. Désolée. C'est parce que j'ai l'impression qu'il faut t'expliquer longtemps. Au fait, les enfants, Agathe et moi avons besoin de pousses de pissenlit. Mais ce serait bien que tu y ailles demain matin. Emmène Ellie avec toi. Comme ça, tu lui feras visiter la prairie. D'accord. Ce que vous allez voir, je l'aurai. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ils sont si mignons. Pissenlit comme ma boche. Pourquoi, t'as peur? Tu sais, Romarin, c'est quand même idiot de se disputer comme ça, puisqu'on est obligé d'être ensemble. Autant que ça se passe bien. Écoute, j'ai parlé trop vite hier soir. Je suis désolée. Tiens, ce sera plus facile avec ça. Je l'ai inventé l'année dernière. Tu peux en cueillir plusieurs en un seul passage et surtout sans te fatiguer. Waouh, c'est une super idée, Romarin. Tu sais, tes lunettes qui voient dans le noir ne sont pas mal non plus. C'est vrai qu'à part jouer à cache-cache, elles ne servent pas à grand-chose, mais bon. Pas du tout. Elles peuvent permettre de retrouver quelque chose dans la nuit, ou même quelqu'un. Ouais. Moi, tu vois ce que j'aime. C'est inventer des choses utiles à toute la communauté. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne pense qu'à moi quand j'invente quelque chose? Mais pour qui tu te prends, Romarin? Pas pour un inventeur à 3 sous, en tout cas. Hein, mon peigne à pissenlit. T'as un haricot dans le ciboulot, ma pauvre. Hors de question que je reste avec toi 1 minute de plus. Ouais, c'est ça, va-t'en. J'ai pas besoin de toi. Romarin, c'est pas bien de faire peur aux autres. Romarin, allez, montre-toi. Désolé d'employer la manière forte-fillette, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour récupérer cette satanée recette légumes magique. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais bien que Lily ne connaît pas la prairie. Mais papa, c'est... Elle a cassé mon peigne. Et... Je ne veux rien savoir. Tu vas aller la chercher sur le champ. Oh. Apparemment, nos deux chérubins ne s'entendent pas aussi bien que ça. Nous réglerons ça plus tard. Car notre rêve va bientôt devenir réalité, Agathe.
comprends, cette inventrice à la noix. Écoute, Lily, si je suis venue te chercher, c'est parce qu'on m'y a obligé. Lily? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça alors, elles sont trop grandes pour être à Lily. Lily! Sois patiente. Tu sortiras de là quand ta maman m'aura enfin remis la petite rançon que je demande. Lily, réponds-moi. Romarin. Oh. Non. Ça alors, petit fouineur. J'espère que vous vous entendez bien, car vous risquez de rester là un bon petit moment. Ils en prennent du temps. S'ils s'arrêtent toutes les 5 minutes pour se disputer, ils sont pas prêts d'arriver. Et si on allait voir l'engin de plus près? J'ai trop envie d'aller faire le tour de ce criquet. On peut toujours aller jeter un œil, sans le toucher, bien sûr. Faut qu'on attende Lily. Évidemment, sans le toucher. Sans toucher, on a dit. Les enfants, je vous ai préparé une tarte à la rhubarbe. Tiens. Ça prend fort, Onésime. J'ai du mal à y croire. Nous n'avons plus qu'à attendre les pissenlits et... Tiens, quand on parle du loup. Désolée de vous déranger, mais Agathe a reçu cette lettre. C'est curieux, ça. Je n'ai pourtant dit à personne que je venais ici. Qui l'a envoyé, Onésime? Mais je vais s'ouvrir cette porte, oui. C'est dur. C'est pas possible. C'est un vrai coffre-fort, cet engin. Si vous voulez revoir les enfants, venez au Puits des Bleuets à la tombée de la nuit. Vous y déposerez la recette légumes magiques, ainsi que toutes vos expériences. Tu vas tout lui donner, hein, papa? Évidemment, nous nous rendrons au Puits des Bleuets comme il nous demande de le faire. Oh, tout est de ma faute. Je n'ai pensé qu'à moi, qu'à mes petits rêves d'inventrice, ma Lily. Où peut-elle bien être à l'heure qu'il est? C'est pas possible. Deux inventeurs de génie comme nous vont bien trouver un moyen de sortir d'ici quand même. Enfin, il y a au moins un inventeur de génie dans cette pièce. Oh zut, le soleil va bientôt se coucher. Hors de question qu'on passe la nuit ici. Mais oui, c'est évident. Lily, surtout n'aie pas peur. Essaye de tourner un peu ton dos face à la fenêtre. Voilà, super. Bouge plus. Hourra! Romarin, t'es génial! Et maintenant, filons d'ici. La porte, c'est pas possible. Ton coupe-tout nous serait bien utile, Romarin. Peut-être qu'on ne sortira jamais d'ici, Romarin. Plus jamais. On voit que tu ne connais pas mon papa. Il nous retrouvera, j'en suis sûre. Et puis, on a encore plein de choses à inventer. Moi, mon rêve, c'est de construire un ballon dirigeable. Un ballon qui pourrait transporter une vraie petite maison pour voyager longtemps et vivre dans le ciel, ouais. Moi, c'est de bâtir un bateau. Un bateau tellement rapide qu'il décollerait de l'eau, comme ça. Et puis ce serait un bateau pirate aussi. Il aurait plein de canons et de catapultes. Une catapulte? Évidemment. Romarin, elle est là, la solution. Attache-les ensemble.
une longue corde. On va y arriver. On verra, marin. On va sortir d'ici. Toutes ces années à attendre le succès et la reconnaissance. Et c'est vous, Onésime et Agathe, qui me l'apportez sur un plateau d'argent. Ah oui, ah oui, ah oui, quel bonheur. C'est bon, Lily, tu peux y aller. Serre bien. À toi l'honneur, cher collègue. Il exige qu'on retourne à la maison. Il nous dira bientôt où se trouvent Romarin et Lily. Bientôt. Mais quand, Onésime? Viens. Et pendant tout ce temps, les enfants sont seuls. Je l'ai. Je l'ai. Elle est un roi. Romarin et Lily sont libérés. Où sont Onésime et Agathe? Pas avec nous, on s'est évadés. Oh non! Ne me dites pas que maman a remis sa recette à ce fou. Bien sûr que si. Ils sont partis au puits des Bleuets il y a une demi-heure à peine. Romarin, on doit aller la récupérer. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ils savent très bien ce qu'ils font. Vous allez attendre calmement que vos parents reviennent. Dis, Zinia, est-ce que tu pourrais nous préparer un petit quelque chose à manger? On a une faim de loup. Oh, évidemment, mon chéri. Moi, je dis, on va lui donner une bonne leçon à ce ravisseur de malheur. Eh, vous êtes fous? Zinia a dit d'attendre ici. Et puis papa est parti avec le pédale express. Qui a parlé de pédale express? Et le criquet, alors? Vous l'oubliez? On vient! Voilà de quoi vous remettre d'aplomb. Mais... Oh non! Lily! Lily! Tourne à gauche. Le puits des Bleuets est là-bas, derrière la colline. Dans l'ombre, à moi la gloire, la reconnaissance éternelle. Sapez, les popettes, mais que se passe-t-il ici? Onésime, regarde, il n'y a que deux personnes capables de conduire cet engin. Moi et ma Lily. Là-bas, je vois quelqu'un. Il va vers la forêt. Accrochez-vous. Nous étions à l'école des bricolos. Vos parents étaient déjà de petits génies. On ne parlait que d'eux. Ils avaient 10 idées par jour. Ils inventaient à tour de bras. Et en plus, ils s'entendaient à merveille. J'étais si jaloux d'eux que je passais mon temps à leur faire des mauvais coups au lieu d'inventer. Quand j'ai appris qu'Agathe avait découvert la recette légumes magique, j'étais fou de rage. J'essayais de m'en emparer à plusieurs reprises. Et quand elle a quitté son domicile, je n'avais aucun doute.
Chez qui pouvait-elle se réfugier, sinon chez son vieil ami de toujours? Tout ça n'excuse pas tes agissements, Oscar. Kidnapper des enfants, c'est inadmissible. Papa, la jalousie, tu sais, ça peut faire des choses pas jolies. Des choses même très moches. Pas vrai, Lily? J'ignore si cela calmera toutes ces années de rancœur, Oscar. Mais tu peux nous assister pour notre premier test. Oh. Chers collègues, le grand moment est arrivé. Cette poudre de pissenlit est l'ultime ingrédient. Tu te souviens? De toutes les inventions, la mienne sera tienne. Pour aider les autres, enfants, jeunes ou plus vieux. Pourvu que de cette expérience, nous sortions victorieux. Wow. Y a rien. Oh, c'est nul. Y a pas de légumes. Elle est pas bonne, cette recette, papa. Ça prelote mille carottes. Notre rêve d'enfance vient de s'écrouler en quelques secondes, Agathe. Mais regarde-les, Onésime. C'est ça, notre plus grand bonheur, non? Et puis, ce sont eux, les savants de demain. Eux qui rendront le quotidien plus facile grâce à leurs inventions. Ouais, enfin, grâce à celle de Lily, surtout. Oh, Romarin, tu es gentil. Mais c'est toi, la... Oh, non, j'ai tout à apprendre comparé à toi.